Salut, mon nom est Nancy Lusignan, je suis bibliothécaire et aujourd'hui je vous présente un roman qui me fait énormément rigoler pour les élèves du deuxième cycle du primaire. Le roman s'intitule Astra et les gâteaux de l'espace. Il a été publié aux éditions Urtubise et écrit par Philip Reeve et Sarah McIntyre. C'est l'histoire d'une jeune fille, Astra, qui s'en va vivre sur une autre planète avec ses parents et son petit frère. Il quitte la Terre pour un voyage d'une durée de 199 ans. Normalement, les passagers dorment dans des capsules spéciales et se réveillent arrivés sur la planète. Toutefois, Astra se réveille et elle réalise, de un, qu'elle est la seule réveillée sur le vaisseau, et de deux, c'est là que le délire total embarque, que le vaisseau a été envahi par des muffins et gâteaux de tueurs, en fait, qui souhaitent dévorer l'équipage et s'emparer du vaisseau. Donc, Astra va devoir faire équipe avec un robot, Pilbeam, pour en fait sauver toute l'expédition. Au cours de ce roman-là, vous allez rencontrer des poursuites en apesanteur, des extraterrestres qui vénèrent des cuillères, des muffins tueurs, bien sûr, et une étrange créature du nom de l'horreur sans nom. C'est un roman plein d'action avec de l'humour absurde à l'appel et aussi des illustrations vraiment très intéressantes avec une mise en page là, qui est à la mi-chemin entre le roman graphique et le roman. Donc, vous aimez l'aventure, la science-fiction et rigolez un bon coup, je vous souhaite vraiment une bonne lecture avec Astra et les gâteaux de l'espace. Salut!